c'est l'épreuve de confort, ouais. Allez, venez avec moi. Évidemment, hein, nos participants de Koh-Lanta vont nous rejoindre. On va aller dehors, les gars, on va aller dans le froid, je suis désolée. Vous avez mon manteau et tout? Et moi, je sors pas comme ça. Hein. Attendez. Ouais, bah peut-être, mais bon, allez, allez-y, hein, vous pouvez y aller, les gars, allez vous installer. Hein. Voilà. Ouais, bah ça va. Oh là là, ça va cailler là. Il fait moins 3 degrés dehors. Hein. Je suis pas prêt. Merci. Charles, on t'entend pas. Attends, tiens. Oh non, plus, j'ai pas mis. Oui, Kevin, il peut. Bon, bah donc du coup, pas de. Pas la peine de faire le tirage de sort. Alors, aujourd'hui, vous avez compris le concept de l'épreuve ou pas, Vanessa? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette phrase? Alors, vous allez tirer à la corde, vous remarquez, il fait froid, pour gagner le feu et des pains au chocolat, c'est l'expresso, hein, avec un petit café. Les îles aux moines, à ma droite. Ah. Prenez la corde. Tire. Quoi? Les îles de Ré, à ma gauche. Allez. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Cédric? Les deux plus forts, il en faut un devant et un derrière pour équilibrer. Kevin, mets-toi. Alors, attends, mais Kevin, tu joues? T'es blessé? Tu peux jouer, c'est bon, ok, oui. T'es sûr, hein? N'hésite pas, hein, parce que voilà. Hein. Alors, non, Samir. Déjà, on va commencer déjà à mettre pas ça au milieu. Pas de pied sur la. On va déjà commencer à mettre ça au milieu. Non, c'est la première équipe qui a un membre qui met un pied sur le tapis qui a perdu. Vincent, la première équipe qui met un pied sur le tapis a perdu. 1, 2, 3, tirez! Hey! Vincent! J'ai le plaisir de te remettre le feu. Les pains au chocolat. À l'intérieur, les pains au chocolat, les îles aux moines, désolé, l'épreuve de confort, le cri de guerre, allons-y. On répète après toi. On est quoi comme équipe déjà? Ex. L'île de Ré. Aujourd'hui, L'île de Ré. On a gagné. Ouais. Bravo. C'était rapide, hein. Vas-y, Ed, tu m'enlèves-moi ça. C'était rapide, hein. Pub. Moche, dégoûté.